C'est le Disney Club. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Eh bien, dites-moi, quelle circulation ce matin? On se croirait Euro Disney, n'est-ce pas les enfants? Oui. Ça y va, hein? Désolé, mademoiselle, vous alliez tourner à droite, il fallait mettre votre signalisation. Oui, voilà, c'est de ma faute, c'est d'abord, ça. Voilà. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle arrive tranquillement par là, elle veut tourner à droite, ici, elle monsieur met pas me percute de plein fouet. Forcément, évidemment, on se rend bien. Chacun son tour, s'il vous plaît. Mademoiselle, je vous écoute. Merci, monsieur l'agent. C'est très, très simple, en fait. J'arrivais tranquillement, je roulais paisiblement à la vitesse réglementaire et monsieur me percute. Eh oui. Je vous demande pardon, mademoiselle. Vous rouliez peut-être à la vitesse réglementaire, mais vous vouliez tourner à droite. Quand on veut tourner à droite, on met son clignotant, ça me semble logique, donc vous êtes dans votre tort. On se calme et on reprend tranquillement. Tout ça n'est pas si grave, après tout. Comment ça, pas si grave? On voit que ce n'est pas votre trottinette, monsieur l'agent. Ah, mais là, je suis tout à fait d'accord avec mademoiselle. On voit que ce n'est pas votre bicyclette, monsieur l'agent. Ah, ben vous aurez une trottinette et puis voilà. De quoi vous plaignez-vous, hein? Trottinette, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout à l'heure dans l'émission. Nous aurons deux invités qui nous en feront une petite démonstration. Allez, maintenant, circulez, il n'y a rien à voir. Ah, je vous demande pardon, monsieur l'agent. Au contraire, nous avons un tas de choses à voir dans ce Disney Club. Nous commencerons avec l'oncle Picsou, qui risque de perdre toute sa fortune s'il ne rentre pas chez lui immédiatement. Et puis nous verrons Tic et Tac qui seront embarqués par inadvertance dans la navette spatiale. Nous verrons Super Balou qui s'apprête à passer un week-end de détente lorsqu'il tombe sur une diseuse de bonne aventure. Nous assisterons à un match de baseball joué par les 9 filles de Kazé. Il y aura également un reportage à Euro Disney et un autre à Paris où nous avons rencontré un curieux sculpteur. Mais tout de suite, nous allons commencer par un dessin animé qui va vous intéresser, monsieur l'agent. Ah bon, et pourquoi? Bien, il s'agit de Donald qui lit tranquillement un roman policier. Ah, effectivement, oui. Je comprends maintenant. Je vous avais dit que ça vous intéresserait. Et tout d'un coup, aux surprises, les personnages de ce roman se mettent à vivre. Voici Imagination débordante. Regarde sur les livres maintenant. Mais vous voulez rester avec nous? Oui! Tant mieux, car dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club. Le premier indice de notre concours est une carte. Regardons-la. Et puisque c'est une carte, il faut trouver un lieu aujourd'hui, n'est-ce pas Philippe? Absolument Nicolas. Et même pour vous aider, je peux vous dire que pour aller dans ce lieu, il vaut mieux ne pas oublier ses moufles. Oh là, je trouve que tu les aides pas mal. Si vous avez déjà une idée, n'hésitez pas à nous écrire sur carte postale à notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Et si nous retrouvions la bande à Picsou les enfants? L'oncle Picsou risque de perdre toute sa fortune s'il ne rentre pas immédiatement à la maison. C'est ce que lui annonce Géo Trouve Tout. Oh, il y a un mystère là-dessous. Voici la bande à Picsou. Ouais ! C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Dans quelques instants, nous recevrons de curieux invités avec une drôle d'invention. C'est dans la suite du Disney Club. Nos invités ont souvent beaucoup d'imagination et aujourd'hui nous avons le plaisir d'en accueillir deux qui n'en manquent pas non plus. Voici Philippe Saumon et François Beaugrand. Bonjour Philippe, bonjour François. Bonjour.
Alors, bienvenue dans le Disney Club. D'abord, vous êtes venu avec des engins un petit peu particuliers. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une trocyclette. C'est un engin hybride. C'est un engin qui n'est pas une trottinette, qui n'est pas une bicyclette, mais... Alors, attends, on va l'avancer un peu, puis on va un petit peu le détailler, cet engin. Bon, il y a un guidon, il y a une roue à l'avant, une roue à l'arrière. Jusque-là, tout va bien. Mais alors, au milieu, il n'y a plus de selle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de selle, il n'y a plus de pédale. C'est un sport debout. Mmh. Et on peut le pratiquer à tout âge. D'accord. Alors, comment ça fonctionne, en fait ? À partir du moment où il n'y a pas de pédale, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse ? Comme une trottinette classique, à savoir qu'on pousse d'une jambe ou de l'autre, au choix. À quelle vitesse vous allez ? Alors, 25 km/h sur le plat, sur plusieurs heures, et puis voilà. D'accord. Alors, vous avez fait Saint-Julien, toi plutôt, Philippe ? Tu as fait Saint-Julien ? Saint-Julien-Paris. Paris. C'est-à-dire 500 km en 24 heures. Mm-hmm. Sur 3 jours, il y avait 3 étapes. La première était de 170 km quand même. Ça s'est bien passé. Oui. C'est pas trop fatiguant. Entier, non. On dit un trocyclettiste, il y en a combien en France de trocyclettistes ? Pour l'instant, il y en a deux. On espère que tous ces jeunes viendront peut-être des trocyclettistes un jour. D'accord, raconte-moi Philippe, comment est né cet engin ? Alors c'est notre grand-père qui l'a créé. Alors pendant la guerre en 1944, il l'a créé pour éviter de se faire réquisitionner son vélo. Donc il a laissé son vélo de côté pour pas se le faire voler. Et puis il s'est dit, sur 2 roues, j'irai beaucoup plus vite qu'à pied, donc je vais créer une espèce de trottinette avec des grandes roues. Très bonne idée. Et vous l'avez ressorti il y a pas très très longtemps, des greniers. Voilà, il y a à peu près 1 an et demi, on l'a ressorti. Ce cadre-là est d'origine, hein, il est de 1944. Celui-ci est de 1944. Celui-ci de 1944. Ah, et celui-ci ? Celui-ci de 91. C'est beaucoup plus récent. Alors vous avez, je suppose, des grands projets ? Oui, on a... Je pense en particulier à Séville. On a à Séville. On va faire 2000 km, c'est-à-dire Saint-Julien, Côte d'Armor, Séville. Mm-hmm. 2000 km en 20 jours. Ce sera du 1er au 20 août 1992, à l'occasion de l'exposition universelle où nous espérons être attendus là-bas. Ben, on vous le souhaite grandement, et puis on souhaite que ça fonctionne. Moi, ça m'amuse, je trouve ça très rigolo, j'ai envie même d'essayer. Tu crois qu'on peut ? Ben, je sais pas, on peut, Philippe, oh, ben, y a pas de problème, François, on peut essayer ? Ah, c'est okay. Sûr, vous leur faites confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? On essaye, hein ? Oui. Allez, on essaye. Allez, les garçons. Tiens, tu prends celui-ci, Nicolas ? Oui, allez. T'es prêt ? On fait une course. Attention quand même, les garçons. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Ouais. Attends, il nous a pas parlé des freins, Philippe, c'est où les freins ? C'est là. Ouh là, qu'est-ce qu'ils sont casse-cou, ces deux-là. Vous leur faites peut-être un peu trop confiance en leur prêtant votre trocyclette. Mais enfin, merci beaucoup d'être venus. Et nous partons tout de suite pour Euro Disney. Il se passe toujours des choses merveilleuses. Regardez. Depuis que je suis tout petit, j'ai un rêve. Ah oui, lequel ? Dis-le-moi. Ah mais non, je te le dis pas, faut que tu devines. Alors, je vais essayer. Ouais, ouais. Tu rêves d'une grande voiture ? Oui, mais non, c'est pas ça. Bon, alors, d'une maison avec une piscine ? Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas ça. Bon, ou alors, avoir un château comme celui de la Belle au Bois Dormant ? J'aimerais bien, mais c'est pas ça non plus. Bon, alors écoute, dis-moi maintenant, Nicolas. Bah, mon vieux rêve, c'est de voler comme Peter Pan. Et que tu sois la fée clochette pour exaucer mon vœu. Oh, bah, je suis désolée, je n'ai pas les dons pour exaucer ton vœu, mais je te propose par contre d'aller visiter l'attraction de Peter Pan. D'accord ? Très bonne idée. Oui, j'ai toujours envie de voler, mais j'ai surtout envie, très envie même, de me faire une autre attraction. Viens. Jamais satisfait. Oh là là, ces garçons. Vous savez qu'il en faut beaucoup à Tic et Tac pour se paniquer. Eh bien, voyons s'ils perdent leur calme lorsqu'ils se trouvent embarqués à bord d'une navette spatiale lancée dans l'espace. Voici Tic et Tac.
Ah, ils savent vraiment tout faire, ces rangers du risque, même piloter une navette spatiale. Vous savez qu'on a tous ces petits secrets. Eh bien, dans quelques instants, nous vous montrerons comment cacher les vôtres. C'est dans la suite du Disney Club.